seulement affirmer notre opposition au projet du maire de Levallois de mise en sens unique de la rue Victor Hugo, supprimant ainsi à des milliers de Clichois, d'Amiérois, mais aussi des habitants de Bois-Colombes, voire même de Courbevoie, un de leurs accès à Paris. Une décision qui aura également un effet pour les Levalloisiens, qui vont de fait subir des embouteillages supplémentaires, puisque le nombre de voies à Levallois pour relier Paris aura diminué. Nous l'affirmons nous aussi, une telle solution aura pour effet de congestionner tout le secteur environnant, évidemment le rond-point, le pont de Danières, le quartier du Bac Danières, Clichy, Asnières dans leur ensemble. Et tout cela égoïstement pour permettre un accès rapide à deux quartiers, au futur nouveau quartier Eiffel de Levallois et au tour d'affaires de Valcani qui seront derrière nous dans les anciens, à la place des anciens bâtiments de FIAC. Dans ce secteur sur Clichy, le plan d'urbanisme, le projet de plan d'urbanisme que prévoit la municipalité, dans ce plan d'urbanisme prévoit que trois autres tours, deux en tête du pont Danières, une autre un peu en arrière, sont prévues. Imaginez maintenant les effets de ces constructions, en plus d'une mise en sens unique de la RD 909. Cinq tours, ce sont des concentrations de mouvements humains impressionnantes. Le quartier serait asphyxié, congestionné, donc invivable. L'éco-quartier que Clichy prévoit de faire du Bac Danières ne verra, à notre avis, jamais le jour.